Maman Monique Fashion Charisme, avant de commencer la vidéo, non, je vais te dire que maman, tu as le stock des perruques, maman. Hey, je n'ai jamais vu une perruque, des perruques comme les perruques de chez toi, maman. Je ne te vante pas, non, maman, mais tu es la first des first. Regarde la perruque, maman. Hey, il fallait que je ressemble quand même à une benguiste. Attendez que je vous raconte alors l'histoire d'une villageoise Bahama au Canada, non, maman. Mais voilà la veille, alors chez Fashion Charisme, d'abord pour chercher les perruques qu'elle devait faire fort avec maman. Hey, regarde comment la perruque glow. C'est la perruque de chez Fashion Charisme. En tout cas, voilà ma tante, maman. Ma tante, si elle chop, quand c'est la nourriture, elle est là. Que maman, je vais accompagner ma fille comme ça et je ne braise pas un poisson, je ne prépare pas pour elle, maman. Hi. C'est toi alors ma tante qui brise alors ma mère. Ma mère alors souriait jusqu'à que ma fille a brise. Maman, on s'en fout. Maintenant, on va continuer. Ça, c'est alors ma co qui est venue m'accompagner, maman. Pas les co du quartier, là, les co, les vrais co. Moi, alors, ici, on aimait filmer devant l'aéroport international de Douala seulement. Mon père, ici, alors, il apparaît dans tout. Quand je voulais faire mes photos, il était toujours là. Il dit que mais mon frère, le père, il apparaît seulement partout, maman. Mon père aussi était content à l'aéroport. Non, mais il faisait ses calculs d'argent. Toujours ses calculs d'argent. Bon, voilà, alors mon père apparaît dans toutes mes photos. Oh, là, nous sommes déjà dans l'aéroport. On avançait comme ça pour nous faire les trucs, maman. Je ne vais même pas vous raconter. Maman nous a fait quelque chose à la caisse de l'aéroport. On a failli nous refuser le vol. Mais bon, le Seigneur est merveilleux. On a pu décoller. Maman, voilà une villageoise qui regarde, qui voit l'avion pour sa première fois. Maman, il n'a pas tout filmé comment. La villageoise, elle est bien à côté. Elle est bien. Il va tout coller sa tête dans mes photos pour sortir partout. Il veut coller sa tête. Pourquoi? Il faut que le pousser. Il faut que mette sa tête. Mais bon, on va faire comment? Maman, quand tu as choisi. Nous voilà dans l'avion, non, maman. Hey, maman, tous les Chinois me regardaient, regardez nous, une villageoise comme ça, où est-ce, d'où, maman, tu l'as géré même. Et tout le monde d'abord fier de moi, disait que oh, je m'en fous, même s'ils disent que je suis villageoise, où est-ce, je vais bisser la nourriture dans l'avion là, bien, je vais bisser, regarde comment l'avion dit que ouh, regardez ma tête, je disais que ouh, hey. Ah, on a quand même une vue au pays. Ne simplifiez pas notre pays. C'est vrai comment la vue est jolie. De doigts, elle est jolie, maman. C'est vous qui simplifiez. En tout cas, moi, elle ne simplifie pas. On finit ici pour retourner au pays. Regardez bien. Regardez, devant nous, il y avait un couple camerounais aussi. Nous, on était déjà bêlés. Maman, presque à terre. Il me dit, ma coach, tu veux comment pour voyager avec la grossesse? Ne me gérez pas. Donc là, voilà, je suis avec bébé. Regardez, il va encore mettre sa tête dans ma. Regardez. Il va encore mettre sa tête. Il fait comme s'il veut se cacher. Alors qu'il veut comme ça sortir dans mes choses. Voilà l'avion qui est dans l'air, maman. Voilà la voix dit qu'on veut chop. Premier repas, on dit que vous voulez qu'on dise, je dis seulement tout, maman. Regarde comment le repas est joli, mignon. Hey, le goût du repas de ça, maman. Entrée, dessert et tout ça. Moi, il faut avouer quand même que l'escalier, si j'ai fait un. Je suis tombé là-bas, c'est un mais il fallait quand même que je coupe parce que vous devez m'insulter que je suis trop villageoise. Je suis tombé sur l'escalier, si maman. Et ce qu'on voyait au grand mall là, partout dans les statues là. Je suis vraiment tombé. Regarde, encore bédéré avec sa tête là-bas. Hey, je veux sortir dans tes vidéos, maman. Il y a un tapis roulant là à l'aéroport villageoise. Ça te permet d'arriver rapidement où tu pars. Enfin, la distance est longue, ça te permet d'arriver rapidement où tu pars. Tu fais un pas comme ça, tu es déjà loin abonné pour pas. Tu fais un pas, tu es déjà loin au centre. Donc, c'est un peu ça. Maman, je suis allée encore dans les toilettes, je disais qu'elle va aller chier, maman. Hé, hey, les toilettes m'ont épaté. La propreté de ça, dès que tu te lèves, le pot fait que chia. Le pot fait que chia, maman. Les toilettes de ça. Maman, voilà notre repas encore, maman. Dans le deuxième avion, j'ai dit qu'il avait tout chop, le froid de ça, maman. On dit que le général a fait quoi? Qu'il y a le froid, maman. Heureusement que j'avais ramassé, maman, les écharpes partout où je marchais avec. Ce qui n'allait pas m'en sortir, le froid de ça. Petite villageoise était là seulement pour manger tout ce qui passait. Hé, hey, maman, j'ai payé combien pour mon billet d'avion? J'ai payé le billet d'avion presque à 1 100 000 parce que j'ai voyagé en période haute. Mais bon, on s'en fiche. Tout le plus important, c'est d'arriver. Maman, voilà le repas du deuxième avion. C'est vrai que c'était pas trop joli comme le premier, mais bon, on va faire comment? Tout, j'ai pris 3 vols pour arriver. Là, je suis à l'aéroport de Pearson à Toronto. Donc, il manquait prendre un dernier. Encore bé dans mes choses. Mon frère, vous savez même quoi avec le gars là. Partout, il met devant sa tête. Oh, je vais sortir dans tes choses. Oh, maman, il ne sait pas qu'il devait publier à Facebook, maman. J'ai dit qu'il veut le cacher. Il veut comme ça montrer sa tête là-bas. On peut le reconnaître quelque part qu'il est infidèle. Voilà, alors qu'on versait un truc sur l'avion là. Le truc qu'on versait, apparemment, c'était pour dégifler là. Ou c'était pour dégifler l'avion. C'était pour faire. Oh, toujours villageoise. Oh, maman, on va faire comment la villageoise ne nous laisse pas, maman. Je suis villageoise 100%. Vous le truc vert là sur l'avion. Non, c'est pour la neige, comme une neige là, maman. J'avais porté le destroy quand ça repartait. Maman, oh, qui m'a envoyé, oh, maman, qui m'a envoyé. Et tout le monde dans l'avion, j'observe comment la vue est mignonne. Ah, super, la vue de ça. La vue, vous me regardez la vue. Maman, mignonne vue, maman. Hey, vous voyez qu'il y a une différence capitale entre les vues. De toute façon, on ne peut pas comparer. Vous voyez là-bas, je filmais tout ce qui passait. Là, je prenais ma pause à l'aéroport de Toronto.
Et puis là, je suis comme ça, déjà arrivé. Ça, c'était déjà arrivé. C'était là, le lendemain, quand j'étais déjà arrivé là. On trinquait. Regardez bien. On trinquait pour notre arrivée. Encore bizarre mes choses. Sa tête est toujours en train de vouloir sortir. Il aime les bonnes choses, maman. Bon, voilà, je fais un cul sec pour célébrer mon arrivée. Non, maman. Hé, hey, le goût de ça. Je savais qu'il y avait le travail comme ça. Bon, voilà, en train de retirer la neige dehors pour le dégager le passage, maman. La vie n'est pas facile. En tout cas, merci à vous.